Où est-elle? Vous l'avez vue? Voir qui? Ici au main. Non. Vous voulez dire qu'elle n'est pas passée par là? Oui, nous ne l'avons pas vue. Vous en êtes sûr? Pourquoi elle est en train de la chercher? La question serait, pourquoi elle est en train de courir derrière cette pauvre fille? Elle veut juste rendre la vie de cette innocente servante misérable. Mais non, toi, tu voulais quoi? Qui vient te chercher? Et sans effet. Ah, et pourquoi même? Ada, tu dois savoir que nos destinées sont différentes. Mais la vie est imprévisible. Cela ne peut pas m'arriver. Ça ne m'arrivera jamais. Pardon, nous ferons mieux de changer de sujet.
Aïe! 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 Où est-elle? Je dis où est-elle? Elle est morte, mon seigneur. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai tout fait pour l'arrêter, mais elle est entrée dans la forêt et un chasseur la tuera et dessus. Elle ne peut pas mourir. 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 Isoma est sorcière. C'est une sorcière. Non, Isoma veut nous détruire. Mais sache que tu ne resteras pas. Isoma, peu importe où tu es, ça ne marchera pas. Tu ne sauras nous détruire. Je te préviens que ça ne marchera pas. Tu ne sauras pas nous détruire. Isoma. Isoma. Hey, jeune fille, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne me dis pas de rester calme. Tu avais l'opportunité de faire d'elle la femme de Onyézé. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es occupé à admirer sa beauté. Pendant que tu as fait un vœu à Onyézé. Mais elle est mon enfant. Ma fille. Mon enfant adorable. Et moi, qu'est-ce que je suis pour toi? Ne suis-je pas ta fille, non? Oh, je vois. Tu l'as choisie, non moi. Comme c'est elle que tu préfères que moi. S'il te plaît, va dire à Onyézé que moi je ne suis pas dans ton plan pour la réalisation du vœu que tu lui as fait. Tchédié, ne le prends pas comme si je ne t'aime pas.
Je t'aime. Arrête de te tromper, père. Tu ne m'aimes pas. Et tu le sais. J'ai vu la lumière. Tu as dit qu'elle était morte. Je l'avais vue tomber dans la forêt. Tu aurais dû la ramener. Tu aurais dû la ramener. Elle est vivante. Isiom est toujours en vie. Tu doutes de moi? Non, mon seigneur. Je ne doute pas de toi. Cela est possible. Je t'ai entendu. Amène-moi là où tu dis qu'elle a été tombée. Amène-moi à l'endroit où tu dis qu'on lui a tiré dessus. Je dois la ramener dans le temple afin de la soigner. Elle n'est pas morte, mais elle est blessée. C'est ce que disent les dieux. Conduis-moi. Oui, monseigneur. Finis ça. Ça va t'aider à vite guérir. Vas-y. Bois encore plus, vas-y. Tu avais tiré sur moi, c'est vrai? Oui. Mais c'était une erreur. J'étais en train de viser un animal qui s'était échappé. Et je ne savais pas que c'était un être humain. Mais que faisais-tu dans la forêt? Désolé. Prends encore plus. Ça t'aidera à réduire la douleur. Prends. Tu devais me laisser mourir. Je courais déjà vers ma mort. Pour découvrir ma fin. Comme ça, je pouvais bien découvrir ma fin. J'aurais dû te laisser mourir. Pourquoi? Ce que je vis, ce n'est pas ce que j'avais désiré.
Désolé. Courage, hein? Courage. Pourquoi il y a tant d'amertume dans ton cœur? Pourquoi veux-tu mettre fin à la vie que Esseboroa, le créateur du ciel et la terre, t'a donnée? La vie d'Ezeoa m'a béni avec ce qu'il pouvait. Parce que ses dieux n'étaient pas clairs avec moi. Ces dieux ne sont pas justes envers toi. N'est-ce pas une grande accusation contre les dieux? Chaque matin, ils te bénissent avec une nouvelle vie. Et tu es là disant qu'ils ne sont pas justes envers toi? Les dieux m'avaient béni. Alors ils ne pouvaient plus se moquer de moi. S'il te plaît, prends les herbes et dis-moi ce qui s'est passé. Tu n'as jamais cessé de te faire de louanges, ma jolie fille. Papa, je voulais juste me rassurer que le cadeau que les yeux m'ont donné reste toujours le même. Et quel est ce cadeau que tu as peur de perdre, ma fille? Papa. Ma beauté. Salut, papa. Oui, salut, ma fille. J'ai comme l'impression que les dieux t'ont fortifié parce que hier soir, tu avais l'air très, très fatigué. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Et tu vois, hier, mon équipe et moi étions submergés par les travaux au champ. Alors mes mains se sont affaiblies et mes os n'en parlent même pas. C'est ainsi que je devais rentrer tôt. Les dieux se réjouissent de ta beauté car tu les apprécies tellement. Merci, Nam. Merci. Ma jolie petite fille. Ici, maman. Tu l'entends, tu l'as fait les pieds. Pendant qu'il n'y a même pas une goutte d'eau dans la maison. Mais je t'avais demandé d'aller puiser de l'eau. Oh. Papa, je lui avais dit d'aller puiser son eau et moi, je vais le faire après. Papa, est-ce que tu l'entends? Elle utilise de l'eau que moi j'ai puisée pour laver ses pieds. Je vais aussi puiser de l'eau. Y a-t-il un problème? Mais elle n'a pas dit qu'elle ne va pas puiser de l'eau, n'est-ce pas? Non, non. Qu'est-ce que tu viens de faire? Moi, si je vais aller puiser plus tard. Tchédina. Non. Quelle est la signification de cette bêtise que tu viens de commettre? Non, biko, hop, maka. Hein? C'est pas un problème, Nam, t'inquiète. Papa, t'inquiète, je vais pousser de l'eau, hein. J'ai confiance en toi, ma fille. Hein? Wamalama, je te fais confiance. Amoura. Ah, ma fille. Ok, reste tranquille, laisse-moi te laver. Merci, papa. Tu me traites comme une princesse. Bien sûr que tu l'es. Je suis ta princesse. Oh oui? Laisse-moi te laver les jambes, comme ça tu pourras très bien marcher. Ha ha.
Comment était ta journée? Comment était ta journée, ma fille? Je bénis ma déesse. Parce qu'elle était très gentille envers moi. Et alors pour ton âme, comment s'est passée ta journée? Je vais ok, bien et très bien. Mais voir ta beauté rend mon jour complet. Alors, pour que tu gardes encore ta beauté, je t'ai apporté ces perles des Umoji. Tu sais que c'est les perles les plus belles de tout le royaume d'Okwano. Oui, papa. Ah, papa, ces perles sont très belles. Je savais que tu allais les J'aime aimer. J'aime ça. Papa, merci. Non. Je t'en prie, ma petite fille. Mes nouvelles perles. Ces perles sont pour elles-mêmes. Et où sont les miennes? Un homme. Qu'y a-t-il autour de ton cou? Et qu'est-ce que tu as sur ta tête? Combien de perles veux-tu porter à la fois? Mais tu lui as encore acheté d'autres. Ma jolie fille, tant que tu vis, je t'en achèterai. Tu ne voudrais tout de même pas que je m'arrête? Merci, Nam, mais pourquoi ne pas acheter d'autres pour elle? N'étais-tu pas là quand je lui demandais où sont les miennes? N'étais-tu pas ici? Tu veux te justifier? Hypocrite que tu es. Issez-moi ceci, issez-moi cela. Princesse, issez-moi mon œil. Attends, je te les ramasse. Ces perles coûtent tellement cher. Je veux que tu sois de bonne humeur. Si tu en veux, je vais t'en apporter. Autant que tu le veilles. Hein? Écoute, ces perles sont très belles. Ada, je ne sais pas pourquoi mon père est de cette façon. Il me traite injustement. C'est quoi encore le problème, Izzy? Tu sais que deux fois, il dit à Issima, tourne-toi un peu. Tu es belle, tu as une belle taille, tu es vraiment splendide. Et il brise mon cœur comme si je n'étais pas de la famille. Tchédina, alors tu continues de te plaindre? Donc tu continues de te plaindre à propos de ça? N'était-ce pas de ça qu'il faut faire? Tchédina, si j'étais toi, hein, si mon père me maltraitait de cette façon, pour cette fille sûrement, j'ai tourné cette maison en enfer pour elle. Si c'est mon père qui me traitait comme ça, elle allait voir de toutes les couleurs. On ne me regarde moi, non? Ne suis-je pas aussi belle? Ma chère, bien sûr que tu es belle. Mais si tu fais ce que je t'ai demandé de faire, hein, ton père changera son avis. Et ça deviendra Idina Mom. Comme tu es belle, Idina Mom, tu as une belle taille. Ma princesse, fais ce que je t'ai demandé de faire. Ce que papa avait fait n'était pas vraiment bon. Il ne pouvait pas acheter une paire de perles pendant qu'il sait qu'il a des très belles filles à la maison. J'ai scindé les perles en deux.
Je t'ai apporté ça. Te voir comme ça brise mon cœur. S'il te plaît, prends ça. Je te hais. Je te hais et je hais les ours Feboa a fait de toi ma sœur. Je hais ce soi-disant homme qui s'appelle lui-même notre père. Papa. Oh. S'il te plaît, j'aimerais parler avec toi. Ah, vas-y. Assieds-toi. Je t'écoute. Nam, s'il te plaît. J'aimerais savoir pourquoi tu traites Chesena comme si elle n'était pas ton sang. Comme si elle n'est pas l'une de cette famille. Mon cœur est brisé lorsque je te vois la traiter différemment. Tu n'as pas à avoir une telle affection pour elle. Elle est le produit d'une erreur. Ce qui a mis fin à la vie de ta mère, la femme que j'ai tellement aimée. Papa, je ne te comprends pas. Que veux-tu dire par le produit d'une erreur? Tout ce que tu dois savoir est que je n'avais pas épousé sa mère. Elle s'est forcée sur moi. Pendant les moments de ma stupidité quand j'étais ivre, je l'ai rencontrée. Elle est retournée vers moi, me disant qu'elle portait mon enfant. Et cela a coûté la vie de ta mère, qui était durant cette période très malade. Même si c'est le cas, papa, tu dois toujours la traiter comme ton sang. C'est ce qu'elle est. S'il te plaît, papa. J'étais en train de te chercher. Je sais comment tu te sens. Je te comprends. Papa n'est pas du tout juste de la façon dont il te traite. Je suis pas contente avec ça. J'étais même en train Allez, de parler avec là. Lui. Je n'ai pas envie d'entendre tous ces machins que tu me racontes. Oh. Tu crois que je ne sais pas que ça te plaît de voir papa me maltraiter? Moi? Toi, oui. Tu penses que je ne sais pas? C'est tellement clair sur ton visage. Mais non, tu sais que je te dis. Un jour. Papa et toi, vous allez partager mes larmes. S'il te plaît, je veux rester seule. Pars et laisse-moi seule. Écoute.
De ceci, il y a une voix inévitable qui en appelle à ton âme. Tu détestes les dieux avec un si grand dédain. Je ne sais pas qui a retiré ma vie de là. Je pouvais être heureuse après cette vie. Au lieu de vivre ce genre de moquerie que les dieux m'ont imposé de vivre. Je suis perdu. Peux-tu, s'il te plaît, m'aider à comprendre ce sujet? Hum! 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 Je vois ton créateur en désaccord personnel avec la divinité antique de la terre. Et par là, je vais demander à nouveau. Que voulez-vous de moi? Le grand Onyeze, on a besoin de... Cette question n'était pas adressée à toi. Elle a été adressée à ton père. S'il te plaît, sauve ma fille, Onyeze. S'il te plaît. Tu demandes mon aide. Mais tes intentions ne sont pas claires. Que veux-tu exactement de moi? Ikegoro, le fils d'Agomba, le descendant de Ibezemo. Je veux qu'elle vive. Thank you.
et il insiste de reprendre ce qui lui revient de droit. Par le biais du chemin qui sera réservé pour elle après la vie. Mais j'ai été en mesure de trouver un accord avec les dieux. Je vais la guérir. Ça va te coûter. S'il te plaît, quoi que cela nous coûte, juste fais-le. Sauve la vie de ma fille. Elle sera ma femme. Et avant cela, je dois t'utiliser pour le sacrifice. Elle est en train de mourir. Puisque ça te prend trop long pour prendre une décision, j'ai décidé. Sauve-la. Sauve sa vie et elle sera ta femme. Je t'en prie. Il faut jurer. Il faut jurer. Devant Agbala, le dieu antique de la vie et de la mort. Vite! Moi, Igedoro, fils de Agumba, du clan de Ibezim, je jure devant toi, Onyeze, qu'une fois la vie de ma fille sauvée, elle sera ta femme. Va répéter ça là-bas. Fais vite! Moi, Ikeduru, fils de Agumba, ressortissant du clan de Ibezim, je jure devant toi, Onyeze, qu'une fois la vie de ma fille sauvée, elle sera ta femme.
va te préparer. Nous irons à Yakoizo pour calmer. Allez, la grande divinité, prépare-toi. Tu n'aurais pas dû le faire. Tu n'aurais pas dû m'offrir à Onyenze, à Bareu. Je n'aurais pas dû le faire, c'est ce que tu dis. J'aurais dû te laisser mourir. Est-ce vraiment ce que tu veux? Papa, la vie dans cet autre monde est encore meilleure que la vie avec quelqu'un que je n'aime pas. Ma fille, tu ne peux jamais aimer un homme que tu n'as jamais connu. Papa, je n'ai pas envie de le connaître et de l'aimer. N'est-ce pas qu'il venait à peine de perdre sa fiancée? C'est le genre d'homme que tu veux que ta fille puisse épouser. Papa, ça ne sera pas possible. Parce que je ne voudrais jamais, jamais l'épouser. Ne sois pas pressé à le conclure ainsi, ma sœur. Notre père a juré devant le sanctuaire de Obaro de te faire la femme de Onyeze pour sauver ta vie. Papa, as-tu entendu ce qu'elle vient de dire? Papa, s'il te plaît, dis-moi qu'elle a menti. Papa, je t'en prie, parle-moi. Est-ce vrai? As-tu juré de faire de moi sa femme? Thank you.
papa. Papa, parle-moi. Mes salutations à la famille de Itiedjuro. Le fils d'Agumba, le grand chef. Mes salutations à toi, Onyeze, le grand voyant de ce royaume. J'ai béni tes dieux pour t'avoir bien protégé. Ah ah. Isioma. Comment vas-tu? Que le Dieu ferme ta bouche pour avoir appelé mon nom. Isioma, ça c'est une mauvaise façon de parler à ton fiancé. Je ne veux plus écouter mon nom de ta bouche. S'il te plaît, Onyeze, ne prends pas ce qu'elle a dit à cœur. S'il te plaît. Elle m'a insulté. Oui, je sais. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Et vu les circonstances, je vais lui parler. Tu ferais mieux de le faire. Oh bien. Parce que je n'accepterai plus cette insulte de sa part. Désolé. Désolé. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. S'il te plaît, ma fille, j'ai accepté l'offre de Onyeze, car je veux que tu vives au lieu que tu partes rejoindre tes ancêtres. À part ça, il est si jeune et très viril, riche et puissant. Il prendra très bien soin de toi. Mais papa... Mon cœur ne se sent pas bien avec lui. Papa, je ne l'aime pas. Dans ce cas, apprends à l'aimer. Donc tu voulais que papa te laisse mourir à la place de prendre cette offre. Et ma sœur comprend, non, c'était pour ton bien, hein? Ce qu'elle a dit est vrai. S'il te plaît, vis pour moi. Tu sais quoi? Je remercie les dieux de m'avoir donné une jolie fille papa. Comme toi. Arrête, s'il te plaît. Attends, hein, sois calme. Salut, Ikedu, le fils d'Agumba le Grand. Et à toi, Isioma, la femme à laquelle sa beauté illumine plus que le lever de soleil, Yachara. Les oiseaux convoitent ta beauté, et moi, Wane, te salue et remercie le Dieu de t'avoir béni avec cette beauté. Tu es la servante la plus belle de la terre. Ferme! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a emmené ici très tôt matin? Tu ne pouvais pas attendre à ce que l'heure avance un peu pour que tu amènes ton sale visage chez moi? Et qui t'a demandé de m'adorer ainsi? Isioma, sa présence n'a jamais été nuisible. Pourtant, elle est porteuse de bénédictions de Dieu pour nous. Si c'est ainsi que les bénédictions de Dieu sont, alors je ne voudrais pas du tout les adorer avec ces gens des mensonges. S'il te plaît, Wane, ne prends pas à cœur ce que ma fille a dit. S'il te plaît, pourquoi tu es ici? La lune revient dans 2 jours. Et mon maître, il dit bien Onyeze,
t'envoie ses cadeaux. Il a dit que tu dois porter ceci parce que dans 2 jours, il viendra te prendre. Moi, Isioma, prendre ça. Ok. Hein? N'importe quoi. S'il te plaît, Wane, ne raconte pas à ton maître ce qui s'est passé ici. S'il te plaît, hein? Je t'en prie. Juste, dis-lui que les cadeaux vaut son pesant d'or. Alors nous l'attendrons. Tu as un bon cœur, Ikedou. De ce fait, je ne dirai rien à mon maître concernant l'attitude d'Isioma. Issé. Merci. Envoie mes regards à ton maître. Isioma. 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 Où est-elle? Où se trouvent ton père et Isioma? Ils sont juste dans le parage de Hut. Laisse-moi les chercher pour vous. Ma fille, tu as été triste depuis le matin. Quelle est cette chose qui trouble ton esprit? Est-ce à cause des Onyeze que tu as cet air triste? Reviens à toi-même. Onyeze est là. Il vous cherche tous deux. Dis-lui que j'arrive. Isioma, tu viens d'écouter ce qu'elle a dit. Onyeze est là. Reviens à toi-même et allons-y le voir. S'il te plaît. Reviens à toi-même. Allons-y. Isioma, allons-y. Allons-y. Je te salue, mon beau. Mon beau, qu'est-ce qui t'amène ici? J'étais de passage. Et j'ai pensé dire bonjour à ma fiancée. Comment vas-tu, ma fiancée? S'il te plaît, j'aimerais dormir. Thank you.
C'est ici qu'elle a été tirée. Où est son corps? Monseigneur, je... Je suis sûre de l'avoir vue allongée ici. C'est ici qu'elle a été tirée dessus. Monseigneur, que fait-on ici? Permets-moi de te rappeler ce que signifie cet endroit. Ça, c'est la frontière entre Umubiaja et le royaume d'Isiougou. Je sais qu'elle vit ici. Ça, c'est le royaume d'Isiougou, monseigneur. La magie ne marche pas là-bas. Mon père m'avait dit que ce royaume est fortement protégé contre toutes sortes de magies. Il avait aussi dit que... Tu la fermes! N'en dis pas plus. Maintenant, reste devant. Oui, monseigneur.
Ebuka, Ebuka, le grand chasseur de notre royaume. Je te salue, Ochi Uzube, mon cher ami. Ebuka. Je pensais que tu ne chasses que des animaux. Mais j'ai appris que tu gardes une jeune fille dans ta maison. Que planifies-tu de faire avec elle? Soit tu planifies de quitter ma sœur? Oh! Ebuka, je connais ses regards. Tu planifies de quitter ma sœur. Cette pensée ne m'est pas arrivée à l'esprit. C'est bien alors, mon ami. Laisse-moi la voir. Ne la réveille pas, s'il te plaît. J'ai dit, laisse-moi la voir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas la réveiller. Merci. Cette jeune fille est la plus jolie fille que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Ebuka, dis-moi, qui est-elle? Je veux dire, où l'as-tu trouvée? J'ai accidentellement tiré sur elle aujourd'hui lorsque je faisais la chasse dans la forêt. Quoi? Ouais. Tu l'as tiré dessus? Tu l'as tiré dessus et tu l'as amenée chez toi? Sans même savoir qui elle est? Mon soubé. J'ai tiré sur elle, elle était blessée. Donc tu attends ce que je l'abandonne dans la forêt? Non, je ne dis pas que tu devrais l'abandonner dans la forêt. Ebuka, je suis seulement inquiet. Je suis juste inquiet concernant... Je pense seulement à comment Ijoma va réagir si elle arrivait à découvrir ceci. Ebuka... Je crois avoir une idée. Une idée? Laquelle? Tu sais, alors si on peut... Je pensais à l'emmener chez moi, comme ça je vais prendre soin d'elle. Je vois. Le vautour s'est réjoui. Lorsqu'il voit un cadavre dont il se nourrit. Tu veux que je l'envoie dans ta maison afin que tu prennes goût à sa féminité comme tu l'as fait à presque toutes les jeunes filles de ce royaume. Ebuka, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi m'insultes-tu? Dis-moi, si tu chasses un chien pour avoir mangé ta nourriture, vas-tu manger cette nourriture? Ce n'est pas toutes les nourritures qui sont destinées aux chiens. Elle reste ici.
Hey, Ebuka, je ne suis pas un chien, oh. Ebuka, je ne suis pas un chien. Mes salutations, fils de Isoko. Je vous salue, les étrangers. Que cherchez-vous? Nous cherchons une demoiselle qui a été blessée par balle. Si je ne peux pas la voir, Ebuka, tu ne l'auras pas non plus. Tu m'as entendu? Oh oui. Tu as dit que vous cherchez une fille qui a été blessée par balle? Oh oui. Oh oui, je l'ai vue. Et elle est avec Ebuka, le grand chasseur de notre royaume. Où allons-nous trouver cet Ebuka? Vous devez prendre cette route. Une fois arrivé à la première direction là-bas, vous allez prendre à droite. Vous allez voir un grand arbre. Ok? Une maison après cet arbre. C'est sa maison. Longue vie à toi. Ebuka, le grand chasseur de Isoko. Je vous salue, toi et ton créateur. Je vous salue aussi, toi et ta fille. Qui êtes-vous et comment est-ce que vous connaissez mon nom? Je suis Onyeze, Abarou de Omebaja. J'ai appris de toi. J'ai appris beaucoup de choses à ton sujet. Voici ma curiosité. Comment est-ce que tu connais mon nom et ma demeure? Je suis désolé. Ta puissance n'est pas effective ici dans le royaume de Izuku. Quoi? Elle est ici. Au nom des dieux. Rends-moi ma fiancée. Et qui est ta fiancée, si je peux demander? Isioma qui vit ici avec toi. Elle est ma fiancée. Va à l'intérieur. Cherche-la. Je te récompenserai pour ton travail. Tu mens. Ça ne peut jamais être possible. N'ose pas utiliser le mot impossible à mon égard. N'ose pas. Parce que tout est possible sous le soleil. Elle retournera
tout moment lorsqu'elle voudra. J'ai appris que tu veux faire d'elle ta fiancée. Est-ce que ça doit se faire contre sa volonté? Elle n'a aucun souhait. Elle n'a pas de volonté propre. Sa volonté lui a été retirée quand elle était à un pas de la mort. Et moi, Onyeze, je l'ai sauvée. Tu ne l'as pas sauvée. Ce n'est pas toi qui l'as sauvée, Onyeze. Tu n'es pas le sauveur de sa vie. Tu as seulement joué ta part selon la volonté des dieux. Chacune de nos actions est conçue par les dieux. Assez! Assez! Ngebougi! 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 Rentre dedans! Immédiatement! Et cherche-la moi! Sinon, tu me trouveras sur ton chemin! Sur mon territoire et dans ma maison. T'as l'audace de me menacer. Hein? Ebuka. Menacer Ebuka. Quitte ma maison maintenant. Sinon, je donnerai ton cadavre au vautour. Onyeze, quitte ma maison. Nous devons partir, mon seigneur. Je viendrai la chercher plus tard pour toi. Quitte! Onyeze, je t'ordonne. Tu ne peux me faire rien. Ngebougi. Cours! Ngebougi. Disparais. Que les dieux te maudissent. Es-tu sûr de ce que tu viens de me dire? Né, juste comme la rivière passe de Amocha jusqu'à Ngene, de la même façon, je suis sûr que Ebuka a gardé cette demoiselle dans sa maison. Jamais! Jamais! Je ne peux pas accepter ça! Je ne vais pas partager mon Ebuka avec qui que ce soit. Je l'attraperai avec mes mains et je vais l'écraser. Jamais, jamais je l'accepterai. Hé, hey, Né, tu n'es même pas assez en colère comme moi quand j'étais là-bas. J'étais très en colère, il fallait me voir. J'ai même supplié à Ebuka de me laisser prendre cette fille, l'emmener dans ma maison. Au moins... je t'aurais épargné cette peine que tu ressens. Né, Ebuka a refusé. Ebuka a une motivation. Ebuka m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: c'est pas toute la nourriture qui est faite pour les chiens. Franchement, dis-moi, regarde-moi, est-ce que je ressemble à un chien? Nzube. Merci pour l'information. Ijoma. Né, où est-ce que... Ne dis pas mon nom. Je l'ai eu. Ebuka, cette nourriture est pour moi. Même si je suis un chien, je vais accepter que je le suis. Je l'accepte. Je suis un chien. Mais cette nourriture est à moi. Thank you.
Isioma, oui. Tu n'aurais pas dû sortir. Tu sens toujours la faiblesse. J'avais entendu sa voix. Était-il ici? Je les ai renvoyés. Je les ai renvoyés. Il va revenir. Onyezi va revenir, je le connais très bien. C'est une personne difficile, il sait difficilement. De même que moi, tu es en sécurité ici. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je veux dire, tu n'as absolument pas à t'inquiéter. D'accord? Ok. Ebuka. Ebuka, donc c'est vrai? C'est vrai que tu as trouvé une autre servante pour me remplacer? C'est tellement clair. Je peux le voir avec mes yeux. Ebuka, je te promets que ça ne marchera pas. Tant que je suis vivante, jamais. Ijoma. La langue a le choix de dire tout ce qui lui plaît. De même que le cœur. Le cœur a le choix de croire tout ce qui y entre. Ouais. Ijoma, ma fiancée. Ce que les yeux voient est très loin de ce que l'avenir contient. Tu m'as appelé ta prétendante. N'est-ce pas ce que tu es? C'est ce que tu es. Et tu le demeureras toujours. Ne permets pas ce que l'esprit de Oniru obscurcisse ton cœur. Va chez Ikeduro. Dis-lui que sa fille est en vie. Isioma, vie. Dans un endroit Zoko, comme nous le savons déjà. Dis-lui, il a jusqu'au coucher du soleil aujourd'hui pour me la rendre. Sinon, je vais faire pleuvoir ma colère sur toute sa famille. Maintenant, vas-y. Oui, monseigneur. Non.
N'aie pas peur, Ikedu, fils d'Agumba. Ta fille Isioma est toujours en vie. Mais tu as dit qu'elle était morte. Je sais ce que j'ai vu et je sais ce que je t'ai dit. Elle est vivante dans le royaume d'Isioku. Mon maître te demande d'aller la chercher et la ramener. Comment puis-je savoir où la trouver? J'ai reçu l'ordre de te conduire là-bas aujourd'hui même. Aujourd'hui? Mais il sera bientôt la nuit. Ça c'est vrai ma fille. S'il te plaît, passe-nous avec nous ce soir. Demain matin à la première heure, on ira la voir. Parle, Ijejina. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Es-tu sûre qu'elle est toujours vivante? Ton esprit est rempli de méchanceté. Pourquoi détestes-tu ta sœur aussi longtemps que son cœur est pur comme une rivière très tôt au matin pour toi? Ça, ce n'est pas la réponse à ma question. Est-elle vivante? Oui, elle est vivante. Salut Isioma, j'espère que tu as bien dormi. Salut étranger. Je m'appelle Ebuka, pas l'étranger. Tu es d'une lignée de guerriers. Ouais, mes générations sont des guerriers. Je suis issu de ce clan. Pourquoi as-tu demandé? Tu ne fais que la chasse au lieu de protéger ton royaume. La chasse est la seule chose qui me donne du plaisir. Je vois. Alors dis-moi. Comment tu te sens aujourd'hui? Thank you.
Nous n'y sommes pas encore? Non. Nous y arriverons bientôt. Moi, je suis fatiguée. Oh. Es-tu sérieux? Mm-hmm. C'est très gentil de ta part. Ok. Viens avec moi. Je vais te faire promener un peu. Il te faut des exercices physiques. Ok. Avais-tu vu Ebuka hier? Oui, je l'ai vu hier avec la servante en question. Mais tu sais quoi? Il m'a appelé sa prétendante devant elle. Et c'est tout ce qui t'est réjoui. Ne sais-tu pas que mon ami Ebuka a une langue facile? Et il sait comment l'utiliser. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Ijoma, la jeune fille est blessée et très fatiguée. Pour rien au monde, il te laissera la combattre. Voilà pourquoi il t'a dit ce que tu voulais entendre. Sa prétendante. Dis-moi, combien de saisons sont passées depuis que tu étais sa prétendante? C'est clair que tu ne peux pas te rappeler, parce que ça fait longtemps. Pourquoi, pendant toutes ces saisons, il ne t'a pas choisi comme sa femme? Izube, tu es en train de me dire que Ebuka me ment? Ijoma, sois sage. Sois sage, Ijoma. Zoubé, elle m'a appelé sa prétendante devant elle. Ça ne sentait pas le mensonge. Oui, je l'ai entendu. Oui. C'est dans cet endroit. Ah!
Mais ça a l'air inoccupé. Es-tu vraiment sûr de l'endroit? Oui. Mais ils sont sortis. Attendons leur retour. Non. Laisse-moi trouver quelque chose à manger. Allez, reviens ici. Que veux-tu faire là? J'ai faim. Ma soeur habite ici. Je vais trouver quelque chose à manger. Reviens ici. Je dis reviens ici. Salut. Salut. Qui êtes-vous? Nous sommes à la recherche d'Ebuka et la servante qu'il avait ramenée hier. Ils ne sont pas là. Oh oui. S'il te plaît, qui es-tu? Je suis Jeoma, la prétendante d'Ebuka. Jeoma, s'il te plaît, où pouvons-nous les trouver? Je ne sais pas. On peut toujours les attendre. S'il te plaît. Je comprends. Allons à la maison. On s'est assez promené aujourd'hui. Tu as raison. Ah! Il y a quoi? Ah, mon pied. Tes pieds?
Mon pied, mon pied. Désolé, désolé. Ah, mon bras, mon bras. Désolé, mon bras. Désolé. Prends l'arme. Prends-la. 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 Porte-la. Porte-la comme ceci. Prends-la. Porte-la comme ceci. Maintenant, je vais te porter. Viens. Ah. Ah, mon bras. Doucement. Mon bras. Désolé. Ah. Désolé. Désolé. Ok. Ok. Isioma, Isioma, Isioma. Hey, Isioma, s'il te plaît, je bénis les dieux qui ont envoyé leur esprit pour te garder en vie. Mon cœur était brisé quand j'ai appris la nouvelle de ta mort. Alors je me suis dit que la vie ne valait plus la peine d'être vécue sans toi. S'il te plaît. Je me suis dit de rejoindre mes ancêtres. Laisse-moi rejoindre mes dieux. S'il te plaît. Isioma, s'il te plaît. Que les dieux soient loués. S'il te plaît, fais-moi descendre. Oh. Hé, ma fille. Est-ce que ça va? Ma fille, est-ce que ça va? Que le dieu soit loué. Mais je ne retournerai pas au royaume de Mibadja avec vous. Ma fille, s'il te plaît, si tu ne reviens pas avec moi. Ma fille, s'il te plaît, tu dois rentrer avec moi. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Tu veux de moi, mais tu vas donner en mariage à cet homme très méchant. Comme je viens à peine de le dire, je n'irai pas à Mibadja avec vous. Isioma, si tu ne rentres pas avec moi, tu as donc besoin que je meure, car c'est ça que tu veux de moi. C'est ce que tu veux aussi de moi, papa. Être avec Onyeze, c'est vraiment pareil à la mort. Ce n'est pas différent. Et tu vois pourquoi tu veux être égoïste? Papa fait tout ça parce qu'il voulait te sauver la vie. Et tout ce que tu donnes en retour, c'est la désolation. Ne me parle même pas de ça, espèce de méchante. Si tu ne m'avais pas empoisonné, tout ceci n'allait pas arriver. Non, c'est une accusation très grave. N'entends-tu pas comment ta fille m'accuse de l'empoisonner? Elle l'a dit par colère. Non, père. Cela est sorti de l'abondance de son cœur. Assez. C'est assez. Vous allez retourner dans votre royaume. Je lui parlerai et elle retournera. Même si elle doit revenir, ce n'est pas maintenant. Parce qu'elle n'est pas encore bien portante pour se lancer dans un long voyage. Partez. Partez. Thank you.
depuis le premier jour que j'ai fixé mes yeux sur toi. T'ai-je une fois menti? Ou bien sortir avec une autre fille? Non. Je t'ai adoré au-dessus de toute autre personne. Pourquoi permets-tu au mensonge de Nzoubé de briser la confiance que tu as en moi? Tu appelles ça le mensonge? Oui, je t'ai vu, tu l'as porté au dos. Ouais. Ouais, j'essayais seulement de l'aider à reprendre sa force. Je l'avais presque tué. Alors c'est ma responsabilité de m'assurer qu'elle se porte bien. Ouais, elle est la première. Je n'avais jamais tué des gens comme ça, si ce n'est que dans les combats où je n'avais jamais tué une femme. Idioma, s'il te plaît, ne laisse pas ceci détruire notre relation. Nzoubé veut que je l'envoie dans sa maison. Et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que toi et moi savons ce dont il est capable. Tu veux dire que Nzoubé t'a demandé de la renvoyer? Va lui demander si je mens. Où est Zikeduru? Il était censé être ici en premier. Il a dit qu'il viendra plus tard, monseigneur. Arrête-la! Comment oses-tu? Comment oses-tu me dire que tu reviendras après? Comment oses-tu? S'il te plaît, Onyese, donne-moi un peu plus de temps et je vais te l'amener. Non. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu as juré. N'oublie pas. Rappelle-toi que tu as juré devant les dieux de la vie et de la mort. Pour qu'elle devienne ma femme. Oh, oui, je sais. Et je tiendrai à ma promesse, s'il te plaît. Devrais-je t'utiliser? T'utiliser pour le sacrifice? S'il vous plaît, pas moi. Pas ça. Non. Tu parles à qui? De quelle promesse parles-tu? Est-ce que ça va, Mnam? Je n'ai vu personne. Ça veut dire quoi, papa? Non, je m'adresse à toi. Mnam. Mnam, parle-moi. Ton père veut du bien pour toi. C'est pourquoi il a fait ce vœu à Onyese. Je sais que mon père m'aime énormément. Mais je ne rentrerai pas. Ma sœur Chezena est vraiment capable de tout faire pour m'éliminer. Elle ne t'a pas empoisonné. Ouais. Je sais qu'elle te déteste, mais je suis convaincu qu'elle ne t'a pas empoisonné. Comment le sais-tu? Elle me disait toujours qu'elle déteste le jour où on avait fait de moi sa sœur. Je le sais. Mais le choc dans sa voix, le regard sur son visage, m'ont fait croire que elle a été accusée à tort. Ne me dis pas que tu prends sa part juste à cause de son expression. À cause de ces paroles
ou de sa voix. Oh, s'il te plaît. Ce jour-là, peux-tu te souvenir de ce qui s'était passé? Qui a préparé un bacha pour toi? Je l'avais préparé moi-même. C'est vrai? Tu l'as préparé toi-même? Oui. Peux-tu te souvenir de ce qui a eu lieu avant que tu n'aies préparé lui à bacha? J'étais en train de balayer et mon père était sorti dehors. Issyoma, ma jolie fille. Ah, Nam, bonjour. Salut à toi, ma fille. Tchédjine, Tchédjine. N'as-tu pas dormi la nuit passée? Non. Pourquoi tu as laissé Issyoma balayer à ta place? Pourquoi? Ngwa, lève-toi maintenant. Va chez le vendeur de vin de palme. Et dis-lui de m'envoyer le vin de palme que j'avais commandé. Allez, va vite, ma chère. Dépêche-toi, paresseuse. Pas rentré jusqu'à ce qu'on m'avait emmené à la maison des Onyezé. Maintenant, es-tu convaincu qu'elle ne t'a pas empoisonné? Si ce n'était pas elle, alors qui est-ce? Qui d'autre cherche à bénéficier de ta maladie? Onyezé. Onyezé. Onyezé Barou. Il me disait toujours qu'il devait faire de moi sa femme. Salut, la plus belle demoiselle de ce royaume. Tu as une beauté exceptionnelle. Une beauté comme toi doit épouser l'homme le plus puissant de notre royaume. Par conséquent, tu sais à quel point je suis puissant. Donc, je te déclare mon amour. Es-tu sourde? Je dis je t'aime et je veux faire de toi ma femme. Si je ne t'épouse pas, aucun homme ne t'épousera. Lis bien mes lèvres. Si moi, Onyezé, je ne suis pas heureux, aucun homme ne le sera. Ne penses-tu pas que c'est lui qui est responsable? Je vais convaincre mon père. Il m'avait empoisonné juste pour chercher que je devienne sa femme. Ça te montre à quel point il est désespéré. Ouais. Écoute, Issyoma, tu dois retourner dans ton royaume et exposer cet homme. Expose-le. Je ne retournerai pas à mon royaume. Si tu es fatigué de me garder chez toi, je veux partir. Mais je ne retournerai pas au royaume d'Ibadja. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas... Issyoma! Je vous convoque tous les deux ici.
Parce que dans tous les villages voisins, vous deux, vous êtes les mercenaires les plus redoutés. J'ai un travail pour vous et je veux qu'il soit fait rapidement. Dites-le. Et sachez que ça sera fait. Abby, va à l'intérieur. Vite! Arrête! Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous ne sommes pas là pour répondre à tes questions. On nous a instruit d'amener Isioma avec nous. Alors Abby, vas-y. Recule! Si tu bouges, je donnerai ton cadavre au vautour. Recule. Recule! Es-tu en train de l'écouter? Abby, es-tu soudainement devenu lâche? Écoute, laisse-moi t'avertir. Toi, lâche, je ne te permettrai pas de couvrir au niaisé de honte. Va à l'intérieur, récupère la fille. Et toi? Toi? Ton arme ne me fait pas peur. Abby, vas-y. Je te défie. Si tu es un guerrier, viens te battre avec moi. Si tu es un vrai fils de Umu Ibadja, traverse cette ligne. Retourne à celui qui vous a envoyé. Abby. Retourne. Vite. Maintenant, écoute. Je ne vais pas te tuer. Parce que je sais que tu es utile à ton royaume. Je m'appelle Ebuka. Je ne retourne pas à mon vomissement. Dis à ton envoyeur que le royaume de Izuku, les gens de Izuku sont connus pour qui ils sont. Cours. Attends, donne-moi aussi. Très tard. Tu as dit à Ijoma qu'il n'y a rien entre vous deux.
elle t'avait crié, Bouka. Maintenant, dis-moi, comment vas-tu me convaincre que ce que je viens de voir maintenant n'est pas vrai? Tu n'as rien vu. Et tout ce que j'ai dit à Idioma n'est rien que la vérité. Mais tu flirtes avec elle, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pensé à ça. Alors, Ebuka, prouve-le-moi. Je ne dis pas que tu dois l'éprouver à tous les villages. Non, c'est pas ça. Je dis tout simplement que tu dois l'éprouver à moi, ton ami. Laisse-moi l'amener dans ma maison maintenant. Moussoubi. Oui? Es-tu sérieux? Très même. As-tu perdu la tête? Que veux-tu dire? Moussoubi, laisse-moi te rappeler. Le vautour aimerait tuer lui-même avant de manger. Tu n'es pas un vautour. Tu ne l'es pas. Tu ne dois pas coucher avec toute jeune fille que tu vois. Ebuka, Ebuka, dois-tu toujours m'insulter à cause d'elle? La fois dernière, tu m'as traité de chien. Et maintenant, devant elle, tu me traites de vautour. Ouzoubé, arrête de souhaiter avoir ce que tu n'auras jamais. Écoute, Idioma m'aime et me croit. Et au nom des dieux, je ne ferai rien pour la blesser. Même s'il me faudra te décevoir, mon ami. Tu m'as entendu. Fais attention. Ebuka. Ouzoubé, fais attention. Je te le dis. Ebuka. Ouzoubé, fais attention. Ouzoubé, fais attention, je te le dis. Bonjour, hein. Né, bonjour. Est-ce que tout va bien? Ouais. Qui est-il? Il est mon ami, Ouzoubé. C'est comme s'il est fâché. Lui a-t-il caché quelque chose? Pas du tout. T'inquiète. Merci. Laisse-moi te dire quelque chose. Ah, arrête! Tu es envoyé me chercher. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Quel mensonge t'a raconté cette fois-ci? Mensonge? Je ne comprends pas. Je parle de Ebuka et la fille qu'il garde chez lui. Oh, ça. Je le crois et j'ai confiance en lui. Et comme son ami, tu veux faire la même chose. Arrête de désirer cette servante parce que tu ne l'auras même pas. Écoute, Ebuka même, Ebuka est follement amoureux de moi. Et je te conseillerais de te trouver une fille et de l'aimer. Zoubé, pourquoi tu m'as appelé exactement? Je suis là. Monsieur Ma.
Laissez-la partir. Laissez-la partir. Sinon, c'est fini pour vous. Je vous tuerai comme une vieille sauvage. Laissez-la partir. Si vous avancez encore, je vous enverrai chez vos ancêtres. Je répète, si vous avancez encore, vous allez rejoindre vos ancêtres. Pourquoi veux-tu danser Sulu Gede? Ne sais-tu pas que Sulu Gede, c'est la danse des dieux? La danse de vos dieux n'est pas applicable dans le royaume de Unsugu. Allez le dire à votre maître. Ngodi, allons-nous-en. Elle est prise. Et qui es-tu? Apparais. Me connaître. Pour ton information, elle est quelque part où tu ne peux jamais la trouver. Tu m'as bien entendu. Bienvenue.
Bienvenue, une fois encore de plus au royaume de Rumosé. Amène ça au royaume de Izoku et dis à Isioma que je l'ai ici. Et si elle tient à lui, qu'elle vienne me voir avant le coucher du soleil demain. Tu ne peux pas nier le destin des dieux. Tu es un lâche. Tu es un lâche et tu ne seras qu'un lâche. Tu l'as empoisonné. Tu l'as empoisonné et tu menaces de l'épouser avant de la tuer. Et tu te montres comme un homme fort. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Tu es un têtu. J'ai utilisé ce que j'avais pour l'avoir. Tu ne l'auras jamais. Je vais l'avoir. Tu ne l'auras jamais. L'avoir. Je dis. Tu ne l'auras jamais. Je vais. Tu ne. Tu dois la fermer quand je parle. D'ailleurs, je parle trop. Ici, Oma. Isioma. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Et qu'est-ce que tu fais avec l'arme de chasse de mon Ebuka? Où est Isioma? Elle est dans un endroit où ni toi ni ton maître ne pourra les trouver. Dis-lui que mon maître détient Ebuka. Si elle tient à lui, elle doit retourner à Umubiaja demain avant le coucher de soleil, sinon il mourra. Garde ceci. Tchédine. Nam, tu m'as appelé. Je veux que tu te prépares. Car d'ici là, nous allons quitter ce village. Mais pourquoi, Nam? Sommes-nous en train de fouiller notre terre? Assieds-toi. Ma fille. Ce que tu ne sais pas vaut plus que ce que tu sais.
Non, mais ça veut dire quoi? Onyeze peut venir ici nous tuer tous les deux. S'il te plaît, ma fille. Je sais que je n'ai pas été un bon père pour toi. Mais s'il te plaît, nous devons nous en aller. D'accord, Naï. Monseigneur. Est-ce que tu l'as trouvée? Non, monseigneur. Elle n'est plus là-bas. J'ai transmis les messages à la servante que j'avais trouvée dans la parcelle. L'avoir. Alors, je n'ai d'autre choix que de t'envoyer auprès de tes ancêtres. Comment le sais-tu qu'ils l'ont? Si sa servante avait ramené l'arme, ça veut dire qu'ils l'ont retenue. Mais pourquoi est-ce qu'Ebuka pouvait aller là-bas juste pour chasser? Bien, il a l'habitude d'aller là-bas pour chasser. Et dans ce cas, qu'allons-nous faire? Je ne vais pas le perdre. J'irai là-bas. Je vais me rassurer qu'il soit sauvé. Attends, oh. À propos de tout ce que j'ai entendu sur Onyeze, et t'entendre dire que tu vas te rassurer qu'il soit sauvé, je suis sûr que tu ne planifies pas une chose qu'on ne connaît pas. Je pense que ça sera dangereux que tu le fasses. On doit mettre en place un plan. Tu penses vraiment nous aider? Ebuka. Ebuka est plus qu'un ami pour moi. Ebuka est comme un frère. Ses ennemis sont mes ennemis. Je ne voulais pas croire que vous m'avez déçu. Je ne voulais pas croire que vous n'avez pas fait comme je l'ai voulu. Je ne voulais pas croire que vous ne m'avez pas aidé à avoir Isioma. Je vous ai servi depuis bas âge. Vous avez demandé des chèvres. Je vous ai donné des chèvres. Vous avez demandé des bœufs. Je vous ai donné des bœufs. Vous avez demandé du sang humain. Je vous ai donné ça. Pourquoi vous ne m'avez pas aidé? Hein? Je vous ai entendu parler. Je vous ai entendu parler. Vous êtes censé rendre toutes choses possibles. Et non impossibles. Hein? Hein? Thank you.
Ma fille, haïr est humain, mais pardonner est divin. Je sais que je n'ai pas été un bon père pour toi, mais je veux que tu me pardonnes. À partir d'aujourd'hui, je serai pour toi un bon père qui comprend très bien la valeur de ses enfants. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée, Nam. Je pouvais réagir aussi dans ce sens. Mais je suis désolée moi aussi. Nai. Qu'est-ce qu'il y a? Isioma. C'est Isioma. Elle est revenue. Isioma, ma fille. Ma sœur. Elle est revenue. Hein? Oui, je l'ai aperçue à l'entrée du village. Elle est juste là-bas. Oui. Ma fille? Isioma. Allons-y. Thank you.